Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la qualité de vie ici en Suisse. Après les États-Unis, c'est très différent. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs, mais bon, je crois que c'était juste le bon timing pour nous de rentrer en Europe avec l'arrivée d'Emma il n'y a pas si longtemps, de se rapprocher de la famille. Le cadre de vie ici et la qualité de vie est très élevée, on est très bien. Il y a tout ce qu'il faut en plus pour que je puisse m'entraîner correctement dans les meilleures conditions possibles, avec l'eau pour le kayak, peut courir le long du lac, aller dans la montagne pour faire du vélo, c'est vraiment très agréable. La France, pour moi, c'est évidemment mes racines, c'est là où je suis né. Je ne suis jamais renié de quelque forme que ce soit. Le fait que je suis français, c'est quelque chose dont je suis fier. Même si pour l'instant, c'est un petit peu difficile de vivre en France pour moi pour des raisons multiples. Mais c'est vrai que bon, quand on rentre, qu'on passe un peu de temps au Mans notamment, ça fait vraiment du bien de se rapprocher des siens. On s'est rencontrés chez le kiné au Mans, kiné qui s'appelle Jean-Pierre Buisson, qui est un très bon ami de Sébastien. Et moi, je m'étais inventé une petite blessure à la cuisse avant un championnat d'athlétisme. Et donc, j'étais allée voir ce kiné qui avait dit à Sébastien, tu devrais venir à cette heure-là parce qu'il y a une petite athlète qui vient et elle est mignonne, tout ça. Donc voilà, c'était une rencontre tout à fait organisée. Et puis finalement, ça a abouti sur un mariage quelques années plus tard. Sébastien est à la maison, on a des journées plutôt tranquilles où il essaye de profiter de sa fille au maximum parce qu'il la voit pas beaucoup. Et puis on aime beaucoup faire du sport ensemble, alors on va souvent faire du vélo, on court également ensemble, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. La cuisine, Sébastien est bon cuisinier, donc c'est vrai qu'on aime bien cuisiner tous les deux. D'ailleurs, en général, les seuls désaccords qu'on a sont dans la cuisine. C'est pour ça, on évite de faire, c'est moi qui fais la cuisine, soit c'est toi maintenant. Ouais, c'est vrai. Comme ça, ça évite les problèmes. Et puis on aime beaucoup le cinéma et c'est vrai que le soir quand Emma dort, après une longue journée, on aime bien se regarder un film tous les deux. Mon plat préféré, c'est des ravioles de homard, petit restaurant qui est tenu par un ami et l'auberge du Pont Rouge à côté du Mans. Ah,
J'aime quasiment tout parce que c'est vrai que si je l'ai épousé, c'est quand même c'est que j'aimais la plupart de tout ce qu'il était. C'est un très bon papa, ça, je suis très fière de lui à ce niveau-là. Et puis, il fait un sport un peu spécial, il est un petit peu foufou et c'est vrai que j'aime bien ça aussi, ce côté un petit peu fou. Et puis sinon, non, il est juste lui-même et puis c'est comme ça que je l'aime. Je sens pas une pression particulière d'être le seul représentant depuis Olivier. C'est vrai que ça fait un moment. Je crois que c'est surtout bien de voir qu'il y avait un réel besoin, une réelle envie du public français de voir un nouveau pilote dans le paddock et de pouvoir supporter quelqu'un à nouveau. Donc ça c'est bien, ça montre qu'il y a un réel intérêt par rapport à la Formule 1. Français est toujours quelque chose d'important pour moi. Je veux dire, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Plus particulièrement sur le fan club, c'est des personnes qui m'ont vu évoluer au fur et à mesure des années et grandir. Donc aujourd'hui, on a un fan club d'à peu près 200-300 personnes, essentiellement de la région du Mans ou de la Sarthe. Et pour moi, c'est vrai que c'est toujours sympa de sentir ce soutien, surtout de personnes qui me connaissent plutôt bien.